Ça a été vraiment une belle performance et puis les problèmes se sont accumulés. Racontez-nous un peu. Ouais, franchement, on était vraiment, vraiment bien dans les descentes. Catherine, elle a fait vraiment des belles descentes. On a gagné beaucoup de temps. Et malheureusement, sur la fin, j'ai eu une crevaison où je perds bien 20 secondes, je pense. Et ensuite, dans le dernier kilomètre, je me suis un peu crashée contre la barrière et je perds de nouveau du temps parce que je dois déclipper et reclipper. Et au final, on est 34 secondes pour l'instant des premiers. Du coup, je pense que j'ai vraiment fait foirer. Mais bon, on apprend. Et puis, c'était la première fois. Et je pense que c'est que de bon augure pour l'année prochaine en Suisse où on va essayer de. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien. Cette chute dans le virage à la fin, elle est peut-être aussi due à la déconcentration liée à la crevaison. Ouais, bah c'est vrai que j'ai crevé, là je voyais que je perdais beaucoup de temps, le temps qu'ils descendent le vélo de la voiture, etc. Et puis ensuite, Marlène, elle m'attendait, donc j'ai vraiment poussé pour revenir. Et puis, c'est une seconde de déconcentration et puis ça paye cher, et puis voilà. C'est un bel exercice, vous trouvez ? Franchement, c'est hyper cool et il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe et je pense qu'on se complète vraiment bien. Du coup, je pense qu'on peut faire de belles choses. Merci beaucoup.